Depuis la décision de Mme Gbagbo et de ses avocats de ne pas comparaître, l'audience avait été renvoyée à la date d'aujourd'hui avec des avocats commis d'office. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a estimé qu'il était mieux que les avocats habituels de Mme Gbagbo puissent continuer l'audience, puissent continuer de la défendre parce qu'ils connaissent mieux le dossier qu'ils suivent depuis 4 ans. Donc il a entrepris auprès de ses avocats et de moi-même une médiation pour les amener à changer de décision et à revenir à l'audience. Fort heureusement, cette médiation a abouti et comme vous le voyez ce matin, ses avocats sont là. Le code prévoit la manière dont sont reçus le témoignage de certaines personnalités. Les présidents d'institutions, les ministres et autres. Ça suppose d'abord que cette demande soit présentée en Conseil de ministres, que le Conseil de ministres donne son autorisation et que cette autorisation soit actée par un décret du président de la République pour que le ministre ou le président d'institution puisse comparaître. Mais il appartenait aux avocats de Mme Gbagbo qui savaient qu'il voulait faire citer ces personnes, de prendre les dispositions depuis le début de cette assise, depuis mai, pour que ces différentes formalités soient accomplies. S'ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Vous devez regarder la genèse des faits. Nous sommes venus à notre dernière audience. Nous avons demandé la comparution de certaines personnes. La cour s'est retirée, elle a siégé, elle a décidé que nos citations étaient nulles et qu'elle passait outre la comparution de ces personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous revenons grâce à la médiation du bâtonnier et considérer que plus aucune citation n'a été annulée. Donc, nous repartons à la case départ. Ceux dont la Cour avait décidé de passer outre, elles n'en passent plus outre ces personnes. Nous avons la possibilité, à partir de demain, conformément au calendrier, de citer tous les acteurs des faits sans exception, y compris ceux dont la Cour avait décidé de passer outre les témoignages. Pourquoi je reviens à ce procès? Parce que ce procès reprend en compte mes observations qui sont de dire que je veux que les acteurs des faits soient présents. Pour que les acteurs des faits soient présents, on me dit qu'il faut que je les cite. Pour que je les cite, il faut qu'on me donne les délais suffisants. Sachant que ceux qui sont à l'étranger, Kasaraté et Mangou, il faut un délai de 2 mois. Si la Cour arrive à passer cette étape de nous donner les délais suffisants, nous comprendrons que la Cour est de bonne foi avec le procureur général. Et ensuite, on passera à l'étape de leur comparution. S'ils comparaissent, Dieu merci, ça va montrer qu'ils sont vraiment patriotes et qu'ils veulent contribuer à l'œuvre de justice. S'ils ne comparaissent pas, mais l'opinion nationale et internationale en tirera les conséquences pour comprendre que ces personnes-là n'ont jamais voulu contribuer à la réconciliation nationale par la justice, comme l'a prôné le gouvernement ivoirien. Notre cliente est attachée à ses avocats. Si ses avocats ne sont pas présents, elle n'est pas présente. Et c'est ce qui est logique. À partir du moment où nous avons décidé de revenir, notre cliente reviendra. Ce n'est pas la cour qui fait revenir notre cliente, ce n'est pas le procureur général qui la fait revenir. Ce sont les avocats de la défense qui demandent à leur cliente d'être présente. Voilà. Sur la base des résultats de la médiation que nous regardons, et nous apprécierons la sincérité et la profondeur de la médiation étape par étape.